L'économie est un élément clé de notre travail. Nous saluons la vision du président Ndayishimiye pour le développement du Burundi. Nous applaudissons l'engagement du gouvernement avec la FMI et la Banque mondiale sur les réformes macroéconomiques et la décision de la Banque de la République du Burundi de commencer le processus d'ajustement du taux d'échange. Pour proposer le programme de prospérité au Burundi, les États-Unis encourage les investissements et entrepreneuriat et en technologie énergétique transformationnelle et innovante. Cette année, la société américaine Songi Energy a tenu son événement d'inauguration en mai pour un projet hydroélectrique de 9 MW. Songi travaille également avec Virunga Power, une autre société américaine, pour fournir de l'électricité à environ 70% de la population burundaise qui n'en a pas accès. Compris que je fais une brève incursion dans le passé pour rappeler que l'histoire des nations est loin d'être figée. Elle évolue au rythme du temps et des événements. D'une colonie à la première puissance mondiale, vous serez d'accord avec moi, Excellences, Mesdames, Messieurs, que la dynamique imprimée par le peuple américain pour arriver à cette étape mérite notre admiration et notre respect. Je vais en même temps mettre en exergue ce bel exemple pour les pays qui ont dû vivre le même passé colonial et affirmer que les ressorts nécessaires existent bel et bien pour emprunter le cheminement et atteindre les objectifs souhaités. Le Burundi, qui vient de fêter il y a quelques jours 61 ans d'indépendance, a dû péniblement puiser dans ses ressorts pour recouvrer son indépendance. Chemin faisant, mon pays garde toute sa conviction. Quand l'horizon de son 247e anniversaire de son indépendance, il se sera hissé au niveau du développement actuel des États-Unis. Et j'en suis convaincu.